Genèse au chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, en Turquie. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il laissa aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui, dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, la fit rentrer auprès de lui, dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen.